De retour, mais oui, on est en pleine discussion, vous voilà, bienvenue, merci de, de nous recevoir chez vous comme chaque midi sur Éclair TV, chaîne 23, sur Canal Satellite, place à la musique, place au talent, place à la jeunesse. Ses parents sont guadeloupéens, mais elle a grandi en Guyane, autant dire qu'elle représente toute la diaspora. Elle est avec moi sur le plateau de KNF, Golden Bee, qu'a nous fait? Hello, ça va et toi? Comment ça va? Quel est ton secret pour cette chevelure? Moi j'adore, moi c'est mon objectif. Mon objectif de vie c'est ça, c'est les carapates? Oui exactement, de Guadeloupe. Alors tu es venue nous parler un petit peu de toi sur le plateau. Oui. Alors pour celles et ceux bien sûr qui suivent les programmes d'Éclair, c'est elle, la numéro 6 du top hit local qui passe pendant le mois avec le hit Macho. À quel âge as-tu débuté la musique? Oula. Ah, oula. En vrai, non, en vrai, j'ai toujours chanté, mais après, dès que j'ai eu mon premier studio, j'ai eu 18 ans, je suis allée direct en studio, parce que ma mère voulait pas avant. Ah, c'est ça, les parents, ils veulent jamais qu'on chante. Voilà. C'est ça, donc tu l'as caché au début ou pas du tout? Non, mais j'ai attendu mes 18 ans. Ok, tu as commencé comment? Tu as écrit, tu commençais à écrire tes textes, à composer? Oui, enfin, du coup, vu que je devais aller au studio, forcément, ben, il fallait que j'aie quelque chose. Pas forcément, donc, pendant... tu peux y aller. Puis... oui, donc pendant le cours, j'avais un cours avant, j'ai écrit vite fait un truc et après je suis allée. Eh bien, comme quoi, vous voyez, vous écrivez vite fait, puis après, vous direction le studio. Tu écoutais qui quand tu étais jeune? Sachant que tu as grandi, bien sûr, à la on salue toute la Guyane, vous êtes très fan de dancehall là-bas. Oui. Tu écoutais, qui avait qui dans ta playlist quand tu étais plus jeune? Mais bizarrement, moi, je n'ai pas écouté beaucoup de dancehall au début. Moi, j'écoutais du zouk. Non, j'écoutais vraiment plus du rap. Ok. Du rap avec Jams et tout. Et après, dancehall, c'était plus Admiralty, ouais. les chanteurs d'ici, quoi, de Guadeloupe. Justement, niveau rap, la place de la femme dans le milieu, on va dire, urbain. On dit souvent que c'est un milieu réservé aux gars, mais on voit de plus en plus d'artistes femmes arriver. Ça nous plaît, on aime ça. Toi, ta vision, sachant que tu es encore jeune, ta vision de la place de la femme dans le milieu? C'est important. Je pense qu'on a autant notre place que les hommes. Ouais. Et on doit se faire notre place, on doit montrer qu'on est là. Il n'y a pas de petites paroles genre hey, « t'es une femme, reste à ta place ». Au contraire, est-ce que les hommes t'accueillent bien dans le milieu? Bon, voilà, tu peux démystifier, on y va. Non, mais après, c'est compliqué de travailler avec des hommes parce qu'il y a toujours des petites braques par-ci, par-là. Et voilà, mais sinon, non, j'ai pas eu de remarques du genre, je devrais pas être là, par contre. Ok. Tu touches à tous les styles, c'est-à-dire qu'effectivement, tu écoutais beaucoup de dancehall, tu aimais aussi, enfin, beaucoup de rap, tu as des influences dancehall, mais est-ce que, je sais pas, dans le futur, genre dans 10 ans, on peut te retrouver sur un compas, sur un zouk, sur du groupe. Ah, j'aime bien, ah oui, je vais chanter mon petit zouk. Ah non, mais en fait, j'écoute vraiment de tout. Donc, j'écoute du R&B, du zouk, trap, dancehall, compas, donc c'est pas étonnant. Vas-y, donne-nous des petits noms en zouk. T'écoutes qui en zouk? Ben, Dory. Ouais. En ce moment, Dory, Laurine Rose, Fanny. Après, c'est plus les nouveaux zouk. Ouais. Mais ouais. Justement, tu habites à Paris. Est-ce que le zouk se développe de plus en plus? C'est-à-dire que toutes les communautés apparemment commencent vraiment à écouter du zouk. Que ce soit, bien sûr, les rebeux, comme on dit, les Chinois. Tout le monde apparemment aime son petit zouk, tranquillement. Le zouk explose. Comment toi, tu vois ça? C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais les derniers morceaux de Aya Nakamura, Taiki, Joué doit filer, c'est vraiment du zouk, compas mélangé. Ouais. Et donc c'est vrai que le zouk est de plus en plus influent, même en métropole ou dans les pays africains. Et je trouve ça bien, parce que ça vient de chez nous, et qu'on arrive à s'exporter. Tu te vois, toi, réussir avec un morceau de zouk dans le national? C'est possible. Enfin, je ne pense pas que ce serait... Je pense d'ailleurs que c'est plus facile de s'exporter avec du zouk que de la dancehall en ce moment. Ok. Le créole que tu utilises souvent, parce que moi j'aime tous les créoles, mais quand tu chantes, qu'est-ce qui te vient en premier justement? C'est le créole de la Guadeloupe, le créole de la Guyane ou même le créole de la Martinique? Ça dépend. Ouais. Sur du dancehall en général, c'est plus le créole guyanais et sur tout ce qui est trap, ça va plus être du créole guadeloupéen. Ok. Alors on voit que tes clips sont vraiment... très bien réalisé. Avec qui travailles-tu? Tu as une équipe noyau dur, comme on dit? Alors oui, depuis que j'ai fait Aurifère, ouais. Donc ça doit faire à peu près depuis 6 mois. Je travaille avec tout Cartel, que je big up d'ailleurs, qui est une très bonne équipe et qui me soutient même au-delà de l'audiovisuel. Ouais. Et voilà, ça se passe super bien. Est-ce que justement tu donnes un petit peu, là on voit le clip de Macho, encore une fois je vous rappelle qu'il est dans le top 8 local,
qui tourne en long, en large et en travers sur Éclair TV, n'hésitez pas. Et surtout, allez sur YouTube, likez, partagez, aimez, ce sont nos artistes. Est-ce que tu donnes un petit peu ta patte au niveau du scénario ou tu ne te mêles pas du tout du scénario du clip? Ça dépend. Par exemple, pour le clip de Macho, j'attends leurs idées. Ouais. Et après, moi, je viens ranger derrière si ça me convient, si ça ne me convient pas. Mais en général, tout cartel, je suis satisfait. Ah, voilà, pas besoin de mettre sa patte. Je leur fais confiance. Comment t'es venue l'idée de prendre le thème Macho de ce clip, justement? Après, c'est vraiment par rapport au texte que j'avais. Ouais. Et ben, on a essayé de mettre le texte en scène, en fait. Ok. Tu as sorti un album pour les fêtes de Noël. Il est sorti début décembre. Que peut-on retrouver sur cet album? Combien de morceaux? Dis-nous tout. Alors, il y a 10 morceaux, dont l'intro. Sinon, il y a du dancehall avec Dana Dibades, qui est un artiste guyanais. Ouais. Il y a le fameux zouk avec Warren. Il y a un morceau drill, puisque j'ai voulu tester, avec Don Snoop, qui est de la Guadeloupe. Ouais. Et un morceau trap avec Marginal, qui est de la Martinique. Tu as quand même pas mal de gros noms sur cet album. Encore une fois, on rappelle, tu es jeune. Mmh. Comment est-ce que tu as pu appâter, je dirais, tous ces artistes? Parce qu'il y a Warren, Marginal, qu'on connaît très bien ici en Guadeloupe. Don Snoop, comment c'est la Vibes qui a fait la connexion ou c'est ton équipe En tu général, les connaissais déjà avant? Oui, en fait, en général, c'est tout ça, la Vibes. On s'est rencontrés soit en studio ou chez quelqu'un et autres. Et après, c'est venu comme ça. Mais ce n'est pas une démarche qui a été faite dans le but commercial, etc. C'est plus artistiquement parlant. Et justement, s'il fallait faire un featuring avec un artiste, là encore, il n'y a pas de limite, qu'il soit anglais, français, chinois même, ça aurait été qui? Tu as le droit même à deux, trois réponses. Peut-être Burna Boy, j'aime bien, ou Nino, Nino aussi. Ok. On voit qu'il y a de plus en plus... on voit que les artistes prennent de plus en plus soin de leur image, de leur apparence, que vous travaillez beaucoup les shootings. Est-ce que toi, quand tu débutes, c'est quelque chose que tu surveilles énormément et que tu mets en avant? Oui et non. Enfin, c'est vrai qu'au début, entre guillemets, je m'en fiche un peu. Mais vu que ça compte, il faut quand même assez bien se mettre en scène. Et ben oui, j'ai pas le choix. Est-ce que ça n'empiète pas un petit peu sur la création? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des shootings, il y a souvent les stories sur Instagram à alimenter. Est-ce que souvent, ça n'empiète pas sur ton rythme d'écriture? Moi, pas vraiment, parce que, par exemple, j'oublie de faire des stories. Donc, moi, je suis vraiment plus concentrée sur mon studio et mon art que mon image, en fait. Après, c'est important, mais vu que je reste moi, c'est pas la chose où je vais me préoccuper le plus. Tu as une technique d'écriture, par exemple, le matin, tu as un planning de 8h à midi, j'écris, ou même le soir, ou est-ce que non, tu écris quand ça vient et surtout, est-ce que tu écris vite? J'écris quand ça vient. Ouais. Je préfère écrire le soir. Ok. Et j'écris très très vite. Tu attends d'entendre le rythme ou tu... Non, j'ai besoin... En fait, ça m'arrive d'avoir des petites phrases et après, je vais les placer sur un rythme. Mais de base, je préfère écrire avec le rythme déjà. Ok. Là, vous pouvez voir encore une fois le featuring avec Don Snoop, qui est dans le top 8 local de l'année 2020. Restez connectés, vous aurez quelques petites surprises. Mais en tout cas, voilà, elle est jeune et elle a déjà des hits placés dans les tops. Elle n'est même pas au courant parce que elle, c'est le travail, c'est le boulot. On voit la pochette de l'album, tu es avec une perle. Qui a eu l'idée de cette pochette? Très belle pochette déjà, réalisée. C'était moi. Mais pourquoi? Avec ma sœur. Ouais. Pourquoi la perle? Parce qu'on est en train de chercher toujours, on cherche le trésor. Pour moi, c'est ce que ça représente. D'accord. Et le trésor musical, ça aurait été quoi pour toi, justement? Le natio, le national. Arrive au national. Ouais. Justement, il manque quoi aux artistes donc, du pays? Mais quand je dis le pays, encore une fois, c'est la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, même Haïti, Dominique, Saint-Martin. Il nous manque quoi, à nous, la Caraïbe, pour exploser aux nations? Alors, je pense qu'il nous manque, enfin, en tout cas, par exemple, pour le cas de la Guyane, il manque des structures. Ouais. Ensuite, il manque parfois d'unité entre nous, je trouve. Ouais. Et alors, sinon, entre nous, c'est-à-dire entre les diverses îles ou entre les artistes? Entre les diverses îles et même entre les artistes même, selon moi. Et aussi, par exemple, on n'a pas accès à toutes les plateformes de téléchargement aux Antilles-Guyane. Ouais. Et c'est un frein. Par exemple, nous, on va faire un disque d'or plus difficilement qu'un artiste qui est en métropole. Et ça, je pense que c'est un gros problème. Justement, peut-être que le public ici n'est pas au courant, mais il y a l'importance de streamer. Ouais.
Donc là, encore une fois, j'aime bien inviter les artistes jeunes pour qu'ils puissent vous expliquer l'importance du streaming. Encore une fois, on va leur expliquer qu'est-ce que le streaming et pourquoi il est important pour vous, artistes, de streamer. Alors, le streaming, c'est en fait ce qui va rémunérer les artistes. Ouais. Et c'est important déjà pour nous parce que c'est ce qui va nous permettre de faire encore plus. Et même au niveau de la visibilité, parce qu'on va rentrer dans des classements, on va rentrer dans des playlists. Et ce qui va nous faire monter, et forcément, si on monte, notre public, il monte avec nous, on a plus de visibilité, notre île ou notre département a plus de visibilité. Donc voilà, c'est super important. Voilà l'importance. Donc n'hésitez pas vraiment à streamer parce que c'est comme ça qu'on repère les artistes. Et souvent, nos artistes ont du talent et passent à la trappe parce que justement, ils n'ont pas cette visibilité. Alors dans toute ta description, on a vu que tu es auteur, compositrice, interprète, mais tu es aussi top liner. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un top liner? Alors, un top liner, c'est celui qui va faire les mélodies. Ok. Donc, par exemple, moi, je fais mes propres mélodies. C'est ça le travail du top liner. Et donc, on peut le faire pour un autre artiste? Voilà. On peut faire des mélodies. C'est comme on peut écrire pour un autre artiste, on peut aussi faire les mélodies pour un autre artiste. C'est-à-dire que peut-être que j'écoute un artiste, je crois que c'est lui qui a tout fait. Mais et en fait, c'est lui. Golden Bee qui est derrière tout ça. Là. Exactement. C'est fou, ça. C'est on appelle ça aussi ghostwriter aussi. Exact. Donc, c'est ceux qui sont dans l'ombre, quoi. Alors, tu es de passage ici. Mm-hmm. Quel est déjà ton planning? Genre, tu vas beaucoup bosser. Est-ce qu'on peut s'attendre incessamment sous peu à pas mal de featuring avec peut-être quelqu'un de la Guadeloupe ou même de la Martinique? Oui. Est-ce que tu peux nous lâcher des petits noms comme ça ou pas? Je garderai le secret, mais on peut s'y attendre. Ouais, et ok. Après, il faut suivre sur les réseaux et vous saurez. Excellent. Quels sont les projets pour toi en 2021? Alors en 2021, pourquoi pas préparer un autre album? Et sinon, on continue. Hein. On continue le travail qu'on a commencé et on essaie de s'exporter le maximum. On te sent très inspiré. J'ai l'impression que toi, tu es une artiste qui écrit 2 textes par jour. Est-ce que j'ai tort? Parce qu'on prépare notre album. Elle fait ça comme si on écoute notre morceau. Si je peux, je le fais. Et tu composes aussi les mélodies ou pas du tout? Ou tu laisses vraiment ça à notre personne? Ça dépend. J'ai déjà fait. Ouais. Par exemple, je dis au beatmaker que je veux faire ça. Mais par contre, c'est pas moi qui le fais sur la machine. Okay. Mais je lui dis ce que je veux. Tu joues un instrument? Guitare, peut-être. J'apprends le piano. Ok. J'apprends toute seule, donc voilà. C'est bon pour les lives, ça. Oui. Parce qu'à cause, à cause de la COVID, on peut plus faire de sound system comme à c'est l'époque. Clair. On est obligé d'être assis et jouer derrière le piano. C'est clair. Et sinon, à l'époque, j'ai fait du violon, j'ai fait de la flûte, c'est tout. Le violon, ça revient beaucoup à la mode, ça, surtout mais dans là, les instruments. Je ne sais pas si je saurai en jouer donc, encore. Donc mettez du violon dans vos instruments, les amis. Donc encore une fois, on vous rappelle, voilà le clip macho. Passe en double écran, n'hésitez pas, likez, partagez, c'est comme ça qu'on fait connaître nos talents, nos artistes, elle s'appelle Golden Bee. Si tu avais justement un petit message pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Dominique, Haïti, Saint-Martin, Jamaïque, Barbade, oui, nous regardons tous, on est sur Internet, ta pour caméra est juste là, tout le monde, vas-y. Et un petit conseil peut-être aussi pour les jeunes chanteuses qui veulent devenir comme toi. Surtout si j'ai un message pour les jeunes chanteuses, c'est surtout de ne pas lâcher leur rêve, de s'accrocher. C'est pas facile, surtout quand on est jeune, quand on est de couleur, qu'on vient des dômes. Il y a beaucoup de complications, mais il ne faut pas lâcher, il faut s'informer, parce qu'on peut se faire avoir aussi facilement. Ouais. Et voilà. Quels sont les pièges, justement, à éviter? On pourra pas tous les dire. Ah oui, ça sûr. Mais genre 2-3 là, comme ça, là, à donner. Ça voilà. C'est sûr. Mais déjà, si je peux donner un conseil, il faut tout payer. Les séances studio, les instrus, il faut tout payer. Parce que si on ne paye pas, c'est problématique. Souvent, on va nous dire oui, mais t'es au studio, c'est la fafa. Mais non. Ouais. Parce qu'une fois qu'on fait un hit, il n'y a plus de fafa. Oh là là! La fafa, donc la famille, pour les plus anciens, je l'imagine. C'est quoi la fafa? C'est la famille. OK, donc apparemment, payez vos dettes, payez tout, studio, heure, composition, comme ça, tout vous appartient, vous êtes bien, c'est vous êtes clair. Tranquille. Maintenant, si on veut te suivre, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Vas-y, dis-nous tout. Alors, c'est parti. Instagram, c'est Golden Bee, donc il n'y a pas de E, surtout pas de E. Voilà, entre le D et le N, il n'y a pas de E. Voilà, donc c'est GOLDN.B-8 pour Instagram. Pour Twitter, c'est -8 Golden Bee. Et Facebook, c'est Golden.B.
Excellent. Sans eux toujours. Sans eux toujours. On enlève le E parce qu'on n'aime pas les E. Encore une fois, merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Tu es ici chez toi. Tu connais le chemin maintenant. Et longue vie à toi. Tu es encore en chaîne. Tu as tellement de hits à nous donner. Si un jour, vous entendez que Golden Bee, elle a éclaté au Natio, vous l'aurez vu ici sur le plateau de KNF. Merci à toi. Bon séjour. Bonne séance de studio. Merci. Sors-nous des hits. Histoire qu'on puisse passer ça tranquillement sur Éclair. Merci, à bientôt. À très vite. Ciao. Nous, on se retrouve bien entendu très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.